Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGuru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans First Feudal parce que je viens d'entrer dans l'ère du bronze. Donc je peux faire pas mal de choses. J'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo au niveau de la recherche. Je commence à comprendre un peu mieux le système. Je vous ai dit que pour gagner des points, au niveau des technologies, il faut fabriquer des objets qui correspondent au plan de travail. Par exemple, l'atelier de charpentier. Alors, on n'a pas d'infobulle, donc c'est vraiment dommage. Il faut venir ici. Voilà, l'atelier de charpentier donne 10 points de science en technologie primaire, à chaque fois. Donc, comme c'est un endroit où on fabrique beaucoup d'objets, on gagne des points assez rapidement, oui. L'atelier d'outilleur qui est ici, l'établi pour les outils, pareil. Et vous voyez que j'ai donc débloqué les outils en bronze. Ça n'empêche pas que, pour le moment, je fais encore des outils en pierre. Mais je vais faire une chose avec vous. Je vais les monter. Je vais mettre la priorité là-dessus. D'accord ? La pioche étant l'outil number one. En fait, j'ai lu une info, je l'ai cherchée. On peut très bien aller récupérer de la pierre en tapant avec une massue. Une massue en bois. Donc, on va plutôt laisser la hache en premier. Et mettre la pioche en deux. Le village maintenant comprend 14 habitants. Je vais quand même mettre la faucille et la bêche. Ah, c'est long, hein. On me dirait, j'aurais mieux fait de supprimer et de remettre. Mais le truc, c'est que j'avais déjà positionné certains objets en quantité 5. Vous voyez, 5 haches, 5... combien j'ai de fossiles? Et j'en ai pas en bronze, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai toujours besoin de la pierre. Donc, pour finir sur la recherche, donc le principe est le suivant, hein. On gagne des points en répétant les objets. Exemple, j'ai 231 sur 250. Oui. J'ai fait des arcs que j'ai mis en vente quasiment de suite. Sauf certains niveaux. Hop, on vient ici, on sélectionne l'objet que l'on veut vendre. Et on choisit la qualité max. Donc, mauvais, ordinaire ou bon. Et je vais lui dire, tu en vends jusqu'à 3 pièces. C'est comme ça que je m'en sors pour vendre mes pots. Ah, parce que je dégueule. Je dégueule de certaines ressources. Là, ça va mieux, ça s'est calmé. Mais oui, mes chasseurs... Ils dépiotent à chaque fois, donc ils récupèrent beaucoup de ressources. Donc ensuite, on a fait la même chose ici. Et vous voyez que l'apiculture, ça a bien monté, alors que j'en ai mis que 3. Et ici, pareil. Mais pour en revenir là, voilà, armure matelassée. Le problème, c'est qu'il me manque une ressource, donc je peux plus. J'ai pas de fibre. On est en hiver, il n'y a pas de lin, donc je peux pas faire la fibre, donc je peux pas fabriquer les... Et voilà, hein ? Donc certaines recherches montent plus lentement que d'autres. Par contre, ici, on récupère régulièrement des points. Pourquoi? Parce que la progression de l'ère, la première ère, elle tourne toujours puisque c'est la base. Le bois, la laine, le blé, tout ça, c'est les choses de base. Donc, on récupère régulièrement des points. Et il ne faut pas hésiter à les faire monter. Pourquoi? Parce qu'il y a... les améliorations qui sont intéressantes, diminuer la dépense d'endurance nécessaire pour la fabrication, c'est hyper important. Augmente le taux d'obtention de l'effet bien reposé. Mouais. Maintenant, il dort dans des lits. Augmente le taux de restauration de l'endurance. Augmente le taux de régénération de base. Et bon, pour le moment, j'ai eu quelques combats, mais on est à 14 maintenant avec des armes en cuivre. J'ai pas encore les armes en bronze, donc c'est déjà pas mal. Augmente la fréquence d'élevage des animaux domestiques, c'est-à-dire que les animaux donnent naissance plus rapidement. Horaire de nuit, très important. Les villageois se fatiguent moins vite. Augmente les chances d'arrivée du marchand, j'ai pas besoin. Diminue les dépenses d'endurance durant l'attaque, j'ai pas besoin. Augmente le bonheur d'être à la maison sous un toit. Oui, maintenant que j'ai mis des toits. Comprenez? Donc, là par contre, maintenant il me faut 4 points. Donc je suis obligé de transférer 4 points. Hop! Et je suis à 20% de bonus. Augmente la vitesse de croissance des plantes. Donc ça aussi, c'est hyper important. Voilà. Après, on aura les pièces d'armure amovibles. Réduit la pénalité de vitesse de l'armure équipée en temps de paix. Effectivement, moi, je commence à avoir une armure. J'ai pas fabriqué, hein. C'est des pièces que j'ai récupérées. Et vous voyez que j'ai encore le +3 en peau. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'autre chose pour le moment. Type d'armure moyen, modificateur de vitesse, -8, -2, -6, -4. Donc je vais plus lentement. Ça donc hyper important. Décoration de territoire. En plus du bonheur lié à la décoration des tuiles se trouvant sous les habitants, il gagne un bonus de bonheur lié aux décorations du territoire dans un rayon de 1 mètre. Alors le truc, c'est que déjà, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est 5, 9, 76 et 14, 9. J'aurais aimé que ce soit 5, 10, 15. Ouais, bon, allez, je vais le mettre, hein, et puis, bon. Ma population, il y a des hauts des bas. Là, on est en plein hiver, donc il manque quelques ressources, c'est pas évident. Donc, voilà où j'en suis. Et pourquoi l'épée longue, tu me l'as pas vendue? Allez, au boulot, le marchand. Et les masses. Ah, mais c'est peut-être qu'on les a récupérées alors. Vu que j'en ai une ou deux, je les mets. Hein. Là, j'ai pas d'armes, j'ai un. Voilà. Il s'avère que les lances en cuivre, c'est. C'est ce qu'ils prennent en premier. Donc, je vais pas les embêter. Hein. Je vais pas faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai donc des morceaux d'armes en bronze. Eh ben oui, c'est ça qu'il faut pour pouvoir fabriquer les armes derrière. Le problème, c'est que je peux pas les faire parce qu'il me faut des bandes de cuir et des morceaux de bois. Alors les morceaux de bois, c'est pas un souci, ils sont là. Et le cuir, non, toujours pas. Toujours à cause de ça. Eh oui, on doit faire des choix. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu accès aux armes en bronze, donc je l'ai débloqué, et à l'élevage de bétail, qui me permet de faire des fromages, des tartes aux légumes et des tourtières. Eh ben oui, l'abattoir, je l'avais déjà, mais ils viennent me donner ça, la crèmerie. Et alors? Eh ben, la crèmerie, c'est fait avec du lait de vache. Voilà, je vais faire des fromages maintenant. Et à la cuisine, j'ai la tourtière viande crue et farine avec du lait et la tarte aux légumes, citrouille, farine et lait. Je vous rappelle, hein, le bonheur des villageois correspond aussi à la quantité de type d'aliments. Et donc, eh ben oui, j'avais pas le choix. Élevage de bétail ou travail du cuir amélioré. Donc au prochain point, je prends ça parce que les bandes de cuir, je vais en avoir besoin. Donc, nous sommes en hiver. Je suis en train de me reposer parce que je suis fatigué. Hein. On a eu une attaque. Et puis, ben, je me suis aperçu d'une chose. On a les cartes de décoration de territoire. Oh, c'est difficile. Ah là, la déco, l'éclairage. Donc, ça, c'est les toits. Vous voyez que mes toits, ça va à peu près. Par contre, voilà, carte d'éclairage. Donc j'étais obligé d'en rajouter un ici parce que j'ai des trous de lumière. Ça fonctionne mal. On a le même principe que dans RimWorld. C'est extrêmement difficile. Et puis, alors là, vous voyez que j'ai un trou. J'ai un trou. Est-ce que le toit... Voilà, j'ai un trou au niveau du toit. Donc je vais être obligé de mettre un poteau. On va le mettre là. Carte éclairage, carte construction, carte des druides. Je suis un druide, moi. Hein. Dans cette partie, je suis un druide. Pâturage de l'animal domestique sélectionné. Voilà ce que j'ai fait comme boulette. Ici, il n'y a rien. Ah ouais, il faut que je déplace tout ça. Donc, il faut que je déplace ma chambre. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais j'ai plus de bois. Je suis en rupture. Eh ben si, pourtant. Ah, peut-être qu'il y va. Mais pourquoi tu viens pas me finir les angles, s'il te plaît? Ah, ben, j'en profite, hein, de... Alors là, j'ai bien vu que j'allais absolument rien pouvoir mettre, donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber cette partie. Mais j'essaye de faire quelque chose d'intéressant. En fait, il aurait fallu que ces bâtiments-là, je les pose contre pour pouvoir gagner une place ici. Mais c'est difficile, hein. C'est la première partie, donc c'est pas toujours la meilleure solution. Bon, je vais aller parce que là, il commence à me gonfler. Là. Pourquoi tu vas pas construire les angles? Tu te fous de ma... Ow! Vous avez fini de vous foutre de moi, là? Oh là là, il faut tout faire soi-même, hein. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les lits. Alors, il y a un problème dans ce jeu. On ne peut pas le considérer réellement comme un problème. C'est une chose qu'il faut savoir. On a... Alors, je vais aller m'asseoir. Ouais, je me suis mis un trône à l'intérieur parce qu'à un moment, il a neigé. Oh. Et moi, je suis dehors. Hein. Hop, je viens ici. Voilà ce qu'on peut faire. Pas assez d'endurance maximale. Vous comprenez? Pour déplacer les objets, c'est l'endurance du patron, du boss, du chef. C'est moi. Et je peux pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben... Eh oui. J'ai pas le choix. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Alors, il y a un autre défaut. On peut pas, on est obligé de les déconstruire un par un. Ah, j'avoue que ça, c'est une chose que j'ai pas trouvé extraordinaire. Et en plus, je fais des conneries. Ah ouais, moi je voudrais pouvoir supprimer tout. Eh ben non. Alors ensuite, il va falloir que je supprime... que je déplace les ruches. Donc là, j'ai fait une boulette. Oui, j'ai débloqué les routes. C'est très bien. Alors, il faut que je mette aussi de la lumière. Un peu comme ça. Ouais, mais ça va pas passer. Il me faut mettre... Ouais, c'est trop juste. C'est franchement trop juste. Regardez ça. Pour mettre du bonheur dans une pièce. Alors, j'en ai mis un là. Il couvre ici. J'en ai mis un là. Il couvre ici. Je suis obligé de mettre un là. Et par contre... ça ne m'arrange pas. Ah, on va faire comme ça. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux au niveau de l'organisation, mais... Alors, on va faire ça aussi. Ça laisse un peu plus de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vu qu'ils ont tous des horaires un peu différents... pas un gros souci. Où est-ce que je vais mettre ça plutôt? Et ouais, regardez, voilà, j'ai plus d'endurance, je suis obligé d'attendre. À chaque fois, je suis obligé d'attendre. Ah, c'est infernal. C'est franchement infernal, les amis. Je peux même pas déplacer. C'est fou, hein. C'est géantissime. Bon, alors, qu'est-ce que c'est pénible. Bon, là, on n'a pas de poisson parce que c'est l'hiver et tout est gelé. Mais bon, on dirait que ça dégèle un peu. On dirait que ça dégèle un peu. Ouais, il faut que je corrige tout ça. Faut que je corrige tout ça. Pas bien du tout ce que j'ai fait. Faut que je réarrange l'emplacement. Donc j'ai débloqué palissade, porte en bois, digue, pointe en bois, des pièges. Ouais, on va mettre des pièges. J'ai aussi débloqué les planchers, les murs en pierre, tout ça. Oui, j'ai pas de pierre. Hein. J'ai des blocs de pierre, mais hein, c'est tout. C'est toujours la galère, la mine. Alors ce que j'ai fait, j'en ai mis 2. J'ai... Combien j'ai de mineurs? Un chasseur, 2 bûcherons, un constructeur, un artisan, 3 artisans. Un artisan forgeron, un forgeron artisan. Donc selon le taf qu'ils ont. Mon fermier constructeur, en hiver il n'a rien à faire. Mais il n'a rien à faire, le fermier tout est gelé. Donc il n'a rien à faire. 1, 2, 3 mineurs. Un berger qui est artisan. Il est artisan, pourquoi? Parce que c'est lui qui vient faire l'abattage, le dépiotage, etc. Vous voyez, je manque de pierre. C'est ouf. C'est ouf. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. Je sais pas ce que ça va donner le développement. Oh, combien il faut de points? Il m'en faut 60, 65, 70. Oh là 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 là. Et j'en ai 75. Et en plus, ça pose, j'ai le coffre à déplacer. Mais oui, parce que le coffre, il a les cartes de ruche. Donc le marchand, il travaille. Voilà. Il encaisse 25 000 et il a 6 400 de dépenses. Pourquoi? Bah parce que j'avais acheté ça. J'avais acheté des rondins, alors les fibres je les laisse tomber. Des rondins, du cuivre à un moment. J'en suis où? J'en ai, donc j'ai plus besoin. Et on va racheter... Voilà. On va acheter 100. Donc maintenant j'ai 60 000 de pièces. Et alors? Ah, mais les pièces sont importantes, les amis. J'ai des effets. Seigneur féodal sur le trône. Le bonheur augmente de 5.5. Et pas 55. Hein. Ou alors c'est 55, je sais pas. Bien reposé, niveau 5. Chaque niveau donne plus 2 points de bonheur, plus 10% de vitesse de récupération d'endurance, plus 3% de dégâts. Je suis au niveau 5. Hein. Repos. Et route. Ensuite, on a des traits de caractère. Je suis doué. La quantité d'expérience des stats de base acquises a augmenté de 10%. Je suis chevalier. La pénalité de vitesse de déplacement de l'armure est réduite de 50%. J'ai l'heure pour animaux. La fréquence des vaches, des moutons, des loups, des ours sont augmentées de 50%. Et eh ben, je peux en acheter un autre. Mais ça vaut 10 000. Et le nombre de villageois doit être de 12. Donc comme c'est le cas, et voilà ce qu'il nous propose. Il est chiant. Hein. Marchand, pas de pénalité pour la vente de biens aux marchands qui ne se spécialisent pas sur ce type de biens. C'est-à-dire que quand vous avez un marchand qui arrive, vous pouvez lui vendre tout un tas de trucs. Mais si vous vendez à un forgeron de la laine, ben vous avez une pénalité au niveau du prix. Contremaître, la pénalité de bonheur du coup de fouet a diminué de 50%. Oui, on peut donner des coups de fouet pour faire travailler les gens. Bah oui, c'était le cas comme ça à l'époque, mais moi ça me plaît pas, donc je le fais pas. Enseignant, la pire stat de base des paysans qui arrivent augmente de 2. Mais bien sûr qu'on prend ça. Mais je vais dépasser 10 000. Hein. Alors le truc c'est que j'aurais aimé pouvoir déplacer le... Ah on peut. Je vais pouvoir. Ah. Alors ça va être pas mal. Je vais aller la mettre là. Il va me falloir déplacer ça d'abord. Ces cloches c'est quand on gagne des... Voilà, des améliorations. Et je suis à 6. Donc à chaque fois j'en gagne. Je comprends pas pourquoi leur bonheur... Ouais, à cause de la nourriture, on parie. Bon, voilà, j'ai récupéré mon endurance. Je vais pouvoir finir de faire... Ah, je peux pas le poser là. Eh oui, effectivement. Alors, on finit de déconstruire ça. Et je vais attaquer à déconstruire l'enclos. Pour le refaire comme il faut. On va pouvoir faire une digue, oui. Peut-être construire sur l'eau pour rendre cette zone praticable. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire un pont. Et oui. Ça c'était déjà aussi disponible dans... Alors on a un souci, c'est ça. C'est que voilà, à partir du moment où je construis, ça saute. Alors, on va faire ça. Faut que j'arrive à noter où c'est. Le problème, vous voyez, c'est que j'ai plus d'endurance. Donc je peux même plus déplacer ça. Je suis obligé de rester assis sur le trône. Mais là, je vais... Je peux la poser? Oh sérieux? Ah ben alors on va faire ça. Combien elle fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va rentrer. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. C'est bien. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais... Ouais, je vais rester comme ça. Ils vont venir récupérer les bâtons, donc ça devrait être pas mal. Là, je suis trop... J'aurais un creux. Ensuite. Là. Et la porte. Bon. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Alors je vais attendre qu'ils construisent. Et puis ben, je vous présenterai ça la prochaine fois. Je vais déplacer la place. Hein, c'est ça, hein, ça s'appelle la place centrale. Mais je crois qu'on peut la poser qu'une fois, de toute façon. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la déplacer. Déjà ça. C'est déjà ça. On a, voilà, une fois de plus, on est dans un jeu qui a un souci de réglage. Je vais appeler ça comme ça. Au niveau de la difficulté... Par rapport au bonheur, machin et tout. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent pas et on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à mettre le point dessus. Pourquoi j'ai des personnes qui ont 15% de bonheur alors que, bah voilà, 35, 36 d'un coup. Pourquoi ils viennent de rentrer au village? C'est possible. C'est possible. Mais je trouve que c'est trop en flux tendu. Enfin voilà, vous voyez que ça va construire assez vite. Je vérifierai ici à la fonte des neiges comment ça passe. Parce que, eh oui, il va falloir que je le tourne. Et je peux pas le tourner parce que... Eh oui. Il veut dire que il faut que je fasse une chose. Et que là, eh, je dois mettre une porte. Parce que sinon mon gars il pourra jamais accéder. Ah je le sais hein. Je le vois venir. Ah merde. Je suis sur la glace. Bon ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une digue. On va voir. Elle est faite en quoi d'ailleurs? Un revêtement pour route. Ok. Bon. Je fais ça et puis de toute façon s'il faut je déconstruis. Hein, c'est pas un souci derrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de First Feudal. Un super city builder médiéval. Bien difficile. Ah ça, point être sûr hein, qu'il est difficile. Et puis vous voyez que... on a tendance peut-être des fois à pas assez poser. Et puis ben, je me suis retrouvé en manque de ressources. J'ai plus, voilà, j'ai plus de fruits, j'ai plus de légumes, j'ai plus de... J'ai un blé, des graines, j'en ai en pagaille. Mais heureusement que j'ai de la viande. J'ai plus de citrouille, plus rien. C'est l'hiver, donc il faut y penser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye.